Allez, quand faut y aller, il faut y aller. Ah, j'ai pas de chat. Voilà, ça y est, j'ai un chat. Salut tout le monde, c'est Rufus One. Merci de me suivre pour... où est-ce qu'on en est? C'est la seconde partie de ce playthrough consacré au Seigneur des Anneaux, le tirage sur PS2. Comme vous le savez, c'est notre première sur Twitch, puisque avant nous étions chez Eclipsia. Mais bon, ils ont changé un peu leur système de chat et compagnie. Donc, très sincèrement, c'était pas terrible. Un gros carré blanc, juste là, hop là, ici à côté de moi, là, et juste là, voilà. Il y avait un gros carré blanc, enfin, obligé d'afficher un gros carré blanc. Donc, bon, comme c'était pas terrible, et puis bon, apparemment, Eclipsia, c'était pas du goût de tout le monde. Donc, ben, on a décidé de déménager, et donc d'aller vers Twitch. Alors, qui est quand même une plateforme nettement plus utilisée, question jeux vidéo. J'avais bien envie quand même, avant de... J'espère d'abord que tout le monde m'entend bien, qu'il n'y a pas de soucis en termes de musique et de son du micro, comme à chaque fois je m'inquiète un petit peu de tout ça au bout d'un moment avec l'expérience, même si ça commence à faire un petit moment que je fais des lives. Voilà, j'espère que un jour j'aurai des trucs qui bougeront pas. Alors... rappelez-vous, donc semaine dernière on devait faire un live sur Neo Geo, mais la Neo Geo n'a pas voulu de mon module de capture, donc tant pis, on a perdu une semaine. Donc il y a deux semaines en arrière, nous avions terminé donc le premier chapitre du Seigneur des Anneaux, du Seigneur du... Oh ! De LOTR, le tirage, j'avais bien envie de voir un petit peu ce que c'était que... cette histoire de mode maléfique, puisqu'apparemment on devrait jouer les orques, les gobelins, tous ces trucs comme ça. Donc voilà, aujourd'hui on va découvrir donc ce que c'est que ce fameux mode maléfique. Mais avant toute chose, vous savez comment ça se passe, un petit générique. Allez, let's go, et on se retrouve juste après. Eh ben, chose promue, chose due. Donc c'est parti, on se charge donc... ce que nous avons fait, c'était à Eregion. Bon, on va voir à quoi nous avons droit. Eregion. Bon, combat tout de suite là maintenant. Pouf, ça attaque. Donc effectivement, nous sommes du côté des orques. Alors, ça attaque fort l'archer qui nous envoie une belle praline directe. L'elfe qui se lâche bien aussi. Alors, on va faire un peu de mal à tous ces gens. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on augmente d'abord les dommages? Est-ce qu'on affaiblit les ennemis? Sombre présage, attaque d'une volée de Crebane contre un ennemi. Bon, ben on va augmenter les dégâts à tout le monde. Ah, déjà ça coûte pour un début. Voilà. Et ensuite, dès qu'on pourra, on affaiblira tous ces gens-là. Alors, je crois qu'on va commencer par Beretor, puisque c'est le prochain à attaquer. Tant qu'à faire, on va lui faire mal à lui en premier. Wouh! Un petit miss, mon gars. Les boules, hein? Alors, vieille lame, attaque puissante, attaque rapprochée. Bon, bah, allez, retour sur Beretor. Ah, bah ça y est, on a déjà tombé Beretor, un de moins. Ça commence bien. Ah, c'est de nouveau le capitaine Orc. Ok, bah là donc, cette fois, on va les affaiblir. Ça au moins, on va toujours s'appeler. Yeah! La frappe fluide de raté de l'elfe. C'est bon ça! Alors ensuite, on va assurer les ghosts. Bim! Bon, ça avait bien marché les lattes de l'ombre, donc on retourne.
Allez, et les ghosts en moins. Hop là. Bon, bah, il nous reste plus que Drial. Donc, allons-y. Ouah, elle a pas aimé ça. Ouais, mais bon, elle avait pas que 43 PV. Franchir un temps. Miss. Oh, c'est bon, ça. Allez. Un petit tireur. Pim. Oh, j'adore ces flèches-là qui restent dans les modèles 3D. C'est vraiment super bien fait. Tiens, on va essayer Gimdam. Et ben voilà. Donc on a tombé les héros de base. Ah, on les réaffronte encore une fois. Ah, d'accord. Donc c'est ça en fait, cette histoire de mode maléfique. En fait, on va les affronter à plusieurs reprises. Compagnie Balam. Alors, ouais, donc là j'ai quand même nettement moins de... Attends, c'est quoi? C'est un chef fort. C'est pas un capitaine celui-là. Eh ben, on va commencer par Beretor. Hein. Ouh, 271 PV, il a pas aidé. Pas aimé, il est même par terre d'ailleurs. Putain, il a pas aimé du tout. Bon, allez, on va essayer de se faire une égale parce qu'il y a moyen qu'elle fasse mal, elle. Allez, on va se la finir. Voilà. Hydrial, c'est fait. Il reste plus que les ghosts, encore une fois. Ouh, il m'en a tombé un là, bien comme il faut. Allez, vide la main. Allez, on va se lâcher sur les PA. Voilà. On fait une belle volée de corbac. Voilà. Allez. Deux combats gagnés, donc, pour le moment. Ça le fait, ça le fait. Oh, c'est chouette. Je joue le troll. Ouh. Alors là, par contre, à mon avis, je vais beaucoup mieux jouer sur ce coup-là. 2835 PV. Ça va aller. Pas mal. Bien, alors. Ouais, bah là, on va pas chercher à comprendre. Hein. Donc, on va commencer à poutrer qui? Parce qu'il y a Beretor qui joue deux fois sur ce tour-là. Donc, on va 3 sur Beretor. Bim. Allez, coup critique. Beretor en moins. Alors, même pas mal. Hop. Allez, et les ghosts, pillage massif, bim, critique. Oh putain. Oh mais on roule sur les types. Ah, qu'est-ce que c'est bon le mode maléfique. Ah, c'est génial. Allez, Adon qui passe aussi. Bim. Ah, il se relève, Adon. C'est cela, oui. Allez, m'en fous. Piège massif, on y retourne. Bim, revers. Voilà. Non mais... Allez, quatrième combat. Qu'est-ce qu'on va jouer cette fois-ci? Oh, carrément les Nazgûl. 3101 PV, quoi. Communauté pure. Tiens, je crois pas que je l'avais, ce style. Il me semblait pas que je lui faisais mal aussi au Nazgûl la dernière fois. Alors, malice de Sauron repousse les ennemis. Et stock de Nazgûl, attaque perçante de lame de Morgul. Alors, Beretor attaque deux fois avec Drigal aussi, on va commencer par Drigal. Avec un petit peu stock. Hop. Bon, vu le nombre de PV que j'ai, même pas mal, encore une fois. Quoi? Ah, communauté pure, il regagne des PA. Ah, c'est bon comme skill, il me le faudra celui-là. Je le prendrai.
comprendre ce qu'il dit. J'essaierai d'aller voir dans l'arbre des talents, mais il me faudra des communautés pures pour récupérer des PA. C'est bien bon. Salut Mobinus. Salut. Je vois qu'il y en a d'autres aussi, Dilvur, apparemment. Alors, bah tiens, on va essayer la tranche de Nazgûl. Tranchée de Nazgûl, pardon. Jigoku 88 aussi. Eh ben, fait doucement rigoler, tous ces gens-là. Bah écoute, ça va, Mobinus, merci beaucoup de demander. Ça va très bien. Je suis content de pouvoir être sur quelque chose d'un petit peu plus d'un petit peu plus solide comme Twitch. Donc écoute, on va voir. Hein. C'est vous qui allez me dire si vous trouvez que c'est bien, c'est mieux d'être sur Twitch que sur Eclipsia. Apparemment Eclipsia ils étaient un petit peu lourdingues sur YouTube. Je sais pas trop. Je connais pas trop la politique de Twitch par rapport à ça. Mais bon, c'est vous qui me direz ce que vous en pensez. En attendant, moi j'adore ce mode maléfique. C'est très très sympa. J'aime beaucoup. On a quand même un bon gros sentiment de puissance là. Juste avant, je sais pas si tu as vu Mobinus, mais juste avant j'ai quand même joué à un troll des cavernes. Il met des revers. Il met des revers à 300-350 en critique. Ah bah lui voilà, il fait des critiques à monter 300 aussi. Mais là quand même ils sont plus gros les persos au moment. Là voilà, dernier petit stock, hop. Allez, coucher des rétors. Voilà. Eh non, désolé. Bon t'as pas raté grand chose. Alors qu'est-ce que je gagne? Pierre d'action brisée, d'armure brisée, de santé brisée. Sympa. D'accord. Choisissez une sauvegarde pour vos nouveaux objets. Bien. Bon, ben voilà. Donc, fini le petit mode maléfique sur le premier chapitre. Donc, je vais pouvoir reprendre la sauvegarde. Hop, voilà. Je vais pouvoir donc reprendre la sauvegarde il y a 2 semaines avec les 3 pierres que je viens de débloquer lors du mode maléfique. C'est très sympa. Ah, donc on va pouvoir enfin aller sur la Moria. Enfin, dans la Moria, puisque c'est une mine. Et donc, on va voir un petit peu ce que ça donne, puisque si je me rappelle bien, il y avait un type qui s'appelait Kevin, je crois, qui nous en avait parlé de la Moria. Tiens, d'ailleurs, on va aller voir un petit peu. Ah, il y a des gens qui ont pris des niveaux, là. Ouais, mais non, j'ai pas assez de points. Alors, faut que je me rappelle comment ça marche, ce truc-là, parce que c'est un peu... Alors, Pierre augmente légèrement le nombre de points d'action, légèrement la défense, légèrement la vie. D'accord, donc... Points d'action, 182, 183, 152. Ah, ben on va pas chercher à comprendre. On va mettre ça sur Adod. Voilà. Ensuite, en def, 55, 56, 125, putain. Ben on va le mettre à lui, l'armure. Ah, je crois que j'ai pas mis. Je l'ai pas mis à Adod le. Oui, je lui avais pas mis. Pierre d'action, voilà. Et alors, en santé. 846, 679, 669, 648. Bon, ben voilà, on va lui mettre à elle. Elle avait déjà une santé brisée. Merde, je peux pas en mettre 2? Ah, d'accord. Bon. Eh ben, on va le coller à lui. Voilà. Bon. Eh ben, on va voir un petit peu... Oh, un petit peu donc ce que ça donne, cette fameuse mine de la Moria. Ah, petit coffre.
avant-bras de nain en cuir bouilli. Oh, on s'en fout des comptes techniques, ça va. Alors, Barda. Avant-bras de nain en cuir bouilli. De toute façon, il n'y a rien du tout. Donc, on ne cherche pas à comprendre. Hop, allez, c'est Ipar. Donc là-haut, il n'y a rien du tout. On va continuer par là. Oh là! Ça n'a pas l'air petit quand même. Enfin, d'un autre côté, oui, ce sont les mines de la Moria, donc c'est un peu normal que ça n'ait pas l'air petit. Bien, il n'y a pas grand monde en attendant. Ah, si, ça se réveille en voie de. Voilà! Ça y est! Oh, direct! Ah ouais! Bon, eh ben, il croque l'attaque d'un esprit de l'eau, augmente le rythme d'attaque. On va l'augmenter pour le nain. Dis donc, il fait mal le homard de la mine. Alors, pouvoir d'esprit, fruit de pierre, fruit de flamme. Ouais, il me semblait que le guetteur de l'eau, il aimait pas bien le fruit de flamme. Voilà, 416, tiens. Ça te calme ça? Saleté. Bon, alors. Art de rôdeur, perce-force, perce-volonté. Ah, qui diminue la défense. Défense esprit. Ça, c'est pas bête, parce que du coup, le nain, il va pouvoir taper plus fort avec son sort. Putain, en plus, un critique. Y'a bon. Donc, on y retourne. Ah bah du coup elle aussi tiens va pouvoir. Est-ce que ça lui fait mal en bas? Ouais. Plus un pouvoir d'esprit. Ok, Remobinus. tir visé, attaque distante puissante. Bon, c'est pas l'air d'être configuré. Allez, force, tiens. On y va. Voilà, c'est bon ça. Et ouais, du coup, comme il attaque au 4, lui, il fera beaucoup moins mal. Alors, encore à lui. Bon, ben on va essayer un fléau de créature, on va voir bien ce que ça donne. Ça va les coups. Ah ouais, du coup, ça fait nettement moins mal, la fluide tentacule. Comme on lui a enlevé de la force. Allez hop, furie de flamme. Voilà, voilà pour toi mon loulou, et là t'es mort. Non, tu reviens. D'accord, il revient. Ah, je lui ai coupé des tentacules apparemment. Combien il lui reste de vie à ce truc-là? Il lui en reste encore un peu quand même, non? Putain, qu'est-ce que je lui mets hein? Allez, encore mon rôdeur, c'est reparti. Bon, on va partir sur un tir visé. Hein. 296. J'ai l'impression de lui faire moins mal avec le tir concentré que. Ouh, le crachat puant, ça ils aiment pas là, les persos. Hein. Ouh, 117 et les ghosts. T'as déjà fui de tentacules derrière. Ouh, mais ça pique. Faut peut-être changer les ghosts, moi. Oh, quoique. Il y a une nabo qui peut pas attaquer. Puisqu'il a plus de PA. Alors, point d'action. Lembas. Allez hop. Voilà. De retour. Oh, Hector sur le chat.
Salut Hector. Alors, du coup, on va appeler Beretor, tiens. D'accord, meneur. Eh ben voilà. Force Company. Yeah. Allez. Bien, alors, est-ce qu'on va pouvoir en finir avec une furieuse flamme? Ouf, 562. Ah bah là, c'est bon, là il va me foutre la paix. Voilà. Ah, je suis content. Allez, un Beretor qui prend du level. Ibrial aussi. 9600 XP, c'est bon ça. 10560. Mais il a un niveau de retard, Adam, ou quoi? Bon. Alors, et les ghosts, deux fois pierre d'armure usée, bave d'arachné. Bon, ok. On s'en fout du compte épique. Hop, on va de suite voir un peu les stats de ces gens-là. Ouais, lui, il en a 5. Hop. Voilà. Donc ça, c'est bon. Barda, pierre d'armure usée. Alors, en def, 65, 125, 92, 56. Je crois qu'il en a déjà, lui, pierre d'armure usée. Non, je peux pas lui en mettre plus. Hop. Donc ça, c'est bon. Branche d'esquive. Détail spécial 4 en force, 2 dex, 3 concentration, 2 force, 1 dex, 4 vitesse, 1 concentration. Ouais, allez, il est une demi-étoile de mieux, donc je vais lui mettre ça. Voilà, donc ça c'est bon. Nouvel équipement, forcément. Pierre d'armure usée, pierre d'armure usée. Voilà, bon, on a compris. Allez, hop, cassos. Bien, bien, bien. Allez, continuons. Ouais, bon, il y a des fois, faut pas chercher à comprendre, hein, la logique. Ou alors, il s'est fait bouffer, la créature géante des eaux de la Moria, elle s'est fait, à un moment donné, mordre par une araignée géante. Donc voilà, faut pas chercher à comprendre. Excusez-la. Bien, alors, un petit coffre ici. Pierre de santé brisée. Médecine elfique. Ah, bah c'est bien! Il y a de l'item par là! Alors, il y en a là, ici. Ah, visiblement, fallait que je trouve un truc par là. Ouais. Alors, hop, tout de suite, Force Compagnie. Voilà! Compagnie Valar! C'est bien ça! Alors, on s'en fout, on va les frapper. Voilà, de base. De toute façon, on va... Oh lolololol. Peut-être y aller un petit peu plus fort. Parce que... Ils font mal quand même, les machins. La défense, non, on y va, on attaque rapproché puissant. Voilà, 448 PV. T'aimes ça, mon salaud, hein. Allez, on va essayer de se finir, lui. Attention, le main coming, pif. En shoryuken en plus. Scarjay, qui est pas là, mais celui-là, il était pour toi. Alors. ATDL, art de l'épée, frappe fluide. Voilà, on va se le finir en frappe fluide. Voilà. Ouais, ouais, ça fait un peu plus mal. Hein. Frappe gardienne, hop, c'est parti. Une, 448, ça continue, mais c'est bon tout ça. On va les garder en attaque au cac.
Alors, coupe de nain. Ça fait un peu. Enfin, un peu coiffure quand même. La coupe du nain. Voilà. Allez. Pile. Ah non, tiens. Je peux que. Ça y est. Ça y est, nous le terminer celui-là. Bah tiens, du coup, elle va pouvoir se régénérer un petit peu. Voilà. Allez, puis on va se le finir à l'épée, tranquille. 384 PV avec une attaque de à l'épée standard. Y'a bon, non mais comme quoi ça sert vraiment le comment ça s'appelle? Les buffs de groupe là qui nous fait Beretor. Fabrication d'objets. Vous pouvez fabriquer vous-même des objets utilisables au combat par l'intermédiaire du menu. Ah, je l'ai pas la pierre habile d'artisan. Une rune sur 7. Ah d'accord, faut que je trouve des runes, visiblement. Bon. Bah on verra plus tard, hein, pour la pierre. Ah quoique. Ça me parle ça, je l'ai déjà vu cette pierre là. L'habile artisan. Non hein. Non. Bave d'arachné, augmente les dommages persans. Ben voilà. Voulez-vous une nouvelle... Voulez-vous une nouvelle coupe, ma crevette? Non, là, je n'ai pas la référence, là. Désolé, mais là, Alctor, voulez-vous une nouvelle coupe, ma crevette? Non, je l'ai pas. Ça sort d'où, ça, encore? Parce que voilà, vraiment... Ouh, la PS2, elle a du mal, là, avec les mines de la Moria. Alors, est-ce que je suis passé à 5%, du coup? Oui! Ouais! 1% de gagné, ouais! Bien, bien, bien. Oh, 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 j'ai failli rater un petit coffre, là-bas. Hein, on va pas se faire prier. On va aller se le chercher, tranquillou. Voilà. Ce qu'il y a de bien avec cette carte, Fairy Tail, l'astro du cancer. D'accord. Ok. Je les ai lus, les Fairy Tail. Enfin, je les ai pas tous lus. Je crois que je me suis arrêté au 20, quelque chose comme ça. Non. Mashima, j'accroche plus. Le style de Mashima, c'est trop stupide à un moment donné. Ça me. J'y arrive plus. Je n'y arrive plus. Alors, les gobes. Dis donc, ils font mal aussi. On va se faire un petit... Tiens, c'est quoi, compagnie? Précision. On augmente la précision. Non, on s'en fout. On va augmenter les dommages. On veut faire mal. On veut taper. Voilà. Là, ça tape. Alors, hop, du coup, on va pouvoir faire du régène de vie. Bon, on va commencer par bien tort. Ah merde, j'avais une parade, j'avais pas vu. Enfin, du moins, j'avais pas bien vu. Hop. Ouais, on va pas gâcher. Ah, quoique. Allez, là, on s'en fout. Là. Ah, Pima, prends ça, oh! Ah, que la sable! Allez, on finisse! Hop, art de l'épée, on va y aller avec une petite frappe. Ah, bah non! Ah, bah non, c'est pas un orc, c'est un gobelin. Salut Lolo! Welcome! Alors, qu'est-ce que c'est? Bientôt la flamme doudoune? Doudoune! Qu'est-ce que c'est la flamme doudoune? Du don, je sais pas comment on parle. Bon, vous étonnez pas, le chat il a des fois quelques retards. C'est un peu bizarre. Il y a Lolo qui est déjà là, mais le chat nous prévient après qu'il a join, donc bon. Faut pas s'en occuper.
C'est pas grave, pour une fois, t'es pas trop en retard. T'as que 34 minutes de retard, Lolo. Donc t'inquiète pas. Pour une fois, ça va, t'es pas trop à la bourre. Alors, un avant-bras pour Beretor. Tiens, d'ailleurs, on va voir un petit peu les niveaux des gens. Ah, ouais. L'elfe, elle peut grimper. Voilà. Ensuite, niveau Barda, qu'est-ce que ça donne? Avant-bras. Ben, ça tombe bien, il en avait pas. Pierre d'armure, pierre de santé. Ouais. Allez, ah, on s'en fout. Continue. Bon, comme d'habitude, vu que là, il commence à y avoir un petit peu tout le monde. Comme d'habitude, fin d'épisode, je vous proposerai d'aller voter sur le blog avec l'adresse qui est juste au-dessus, rufo.nco.wordpress.com. Donc n'y allez pas tout de suite, c'est à partir de 17h45. Il y aura... Ah, bah Flamme Doudoun. On en parlait. oui, je disais 17h45, il y aura avec un esprit de l'eau. Je pense qu'avec un truc qui fait du feu, ça va pas lui plaire. Tiens, comme vous fait ça. Oui, donc 17h45, il y aura un article, vous pourrez aller y jeter un œil et voter pour savoir si on continue sur le Seigneur des Anneaux ou si à partir de la semaine prochaine on attaque sur autre chose. Bien, allez donc, coupe de nain. Hop là, Shoryuken. Allez, un miss. Un Shoryuken in the wind. Flamme de wind. Il fait mal lui avec ses flammes de wind. 268. Ça, c'est ouf. Alors surtout s'il me le fait deux fois d'affilée, oui, là il va piquer. Hein. Ouais. Ouais, ouais. La musique du film, très souvent. Hein. On va essayer de lui faire un petit peu plus mal à lui là parce que il a bien 5 minutes là, mais il va falloir un peu lui faire du mal dans sa tronche. Oui, c'est un gobelin, donc on va pouvoir y aller avec le fléau des gobelins. Ce qu'il a pris. Oh, ce que je lui ai mis là. Alors fléau des orques, non, ça va pas marcher du coup. Allez, frappe gardienne. Putain, mais qu'est-ce qu'il prend? Qu'est-ce qu'il nous fait faire comme miss lui? Il va falloir un petit peu heal des gens. On va heal la dot parce que sinon il va pas aller bien. Voilà. Ah, drain inspiration. Oh. Qu'est-ce qu'il me fait, lui, ce heal? Il a pas le droit, tu vois. En plus, il va attaquer deux fois. Ah ben non, il s'est heal d'abord. Donc ça va. Est-ce que j'aurais pas un moyen de faire un qui diminue la défense si ça passe? Ça serait pas mal. Voilà. Après contre-attaque, c'est bien ça. Hop, un fléau des gobelins derrière, ça il va pas aimer. Oh putain, miss. Bon bah elle, drain inspiration, draine des points d'action d'un adversaire. Oh, c'est bien, comme ça au moins il a... Il serait susceptible de... faire sa flamme boum un peu moins souvent. Mais bon, peut-être qu'avec la fléau, bah, 753. Ouh, c'est bon, ça. Bon, ben voilà, il a bien dégusté, là, le petit gob. Ce sont les plus petits qui sont les plus durs à tuer. Je pourrais m'offusquer de cette remarque, mais je dois admettre que vous avez raison. Qu'avez-vous? Oui, effectivement. Il semblerait que nous ayons découvert la dernière excavation des nains, le grand puits de Mithril. Cette mine devrait logiquement nous mener de l'autre côté de la montagne, non? Eh bien alors, qu'attendons-nous? Suivons-la. Oui, en attendant, on est qu'au début des mines de la Moria, donc... Non, on s'en fout des comptes épiques. Allez. J'ai pas vu ce que j'avais drop, d'ailleurs. Mais je crois que j'ai rien drop. Non, c'est Barda.
Rien, rien et rien. Bon, ben ça c'est fait. On continue. Bon. Jusque-là, tout va bien. Bon, il y a beaucoup de décors, mais apparemment, il n'y a pas 36 000 embranchements. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça permet de ne pas se perdre. Just for you. Les balrogs étaient les seuls. Ah! D'accord. Ok, donc là tu m'annonces qu'en gros je vais me frapper un... Bien. D'accord. Et ben ok, hein, soit. Allons-nous faire un balrog? Ok, tu me diras, je m'en suis déjà fait plein des balrogs, mais bon. C'était plutôt dans Street. Oh putain, mais qu'est-ce qu'ils ont en esquive quand même? Augmente la précision. Voilà, comme ça au moins. Là, on a besoin d'un peu plus de précision. Parce qu'on miss assez souvent contre les gobes. Et du coup, si ça pouvait permettre. Ah, bien! C'est un passif la contre-attaque. Ça va être bon ça! Le 141 critique. Allez, bah, comme ça au moins. Voilà, j'ai buff tout le monde. J'ai buff tout le monde, ça fait bien monter en plus. Ah tiens. Putain, qu'est-ce que c'est bon la contre-attaque. Bon, j'ai un limit break là. Je vais bientôt pouvoir m'en servir. En attendant, on va soigner un peu Adon. On fait grimper aussi le pouvoir de l'esprit de l'égal. J'ai pas l'impression que ça ait fait beaucoup tomber quand même. La précision des ennemis. 690, c'est bon ça. Tiens, prends ça, sale bête. Petite frappe fusil, tiens. Voilà. Il est pas mort. Allez, refrappe gardienne. Voilà. Là, c'est bon. Il a claqué. Ouais, je pense que le mode parfait, on va le garder pour le... On va le garder pour le Balrog, hein. Vu ce que Alector, il vient de me balancer. Alors, sabre de l'Isengard. C'est bon, ça. Hop, allons-y, un petit baldin. Donc... 12 en dommage, plus 1 en constitution. Bon bah allons-y, hein. Il est un peu crappy son équipement. Au père Beretor. Arrêtez avec vos comptes épiques, je m'en fous. Pas vrai ça. Sortez vos dagues et plein de... Qu'est-ce que... Ça y est. Chaque héritier, on a perdu un temps, déjà. Ça commence. Oh là! Ça a secoué ici, apparemment. Alors, petit coffre. Wouh! Il y a plein de runes là-bas. Bon, bah, on va aller se les chercher. Alors, petit coffre là-bas aussi. Oh, petit coffre et combat, visiblement. Oh, ça va. C'est un petit warp. Donc ça va se faire tranquille. On va commencer à réduire la précision. Ah, j'ai une épée d'orc apparemment. Ah non, c'était une épée de l'Isengard. On verra. Plus beaucoup de PA. Bon, on va essayer une hache enflammée. Tiens, 348 PV. Ah, du coup, je l'ai enflammé. C'est bien, ça. Oh, ça va, les mecs. Je vous l'ai dit la dernière fois de candater mes souvenirs de Nahalbuck.
Quand même, vous n'allez pas me redire à chaque fois que j'ai oublié ce qui se disait dans Nahulbuck. Moi aussi, hein, je peux vous sortir des dialogues de mémoire. Hein. Si vous voulez, on peut faire un concours de dialogues de la Cité de la Peur. Hein. À mon avis, je pense pas que vous arriviez à me bloquer là-dessus, hein, sur la Cité de la Peur. 465 PV. Et ben voilà, ça fait du bien, ça. Bah là, je crois que je les ai vidés, question PA. Tiens, on va se faire un bain d'inspiration. Voilà, oh, putain, je l'ai miné en PA. 92 PA, c'est bon ça. Tiens, on peut pas se faire un bain. On peut pas se faire un dernier petit bonheur. Eh bah tant pis, allez, couchez le Warag. Voilà. Bah, quand même, vous connaissez pas la Cité de la Peur? C'est le film de des nuls. Ah, oh, voyons, t'as toute une éducation à refaire là, hein, sans déconner. Avant-bras d'éclaireur. C'est bien, là, on va gagner des trucs un peu. On va gagner du stuf. Alors, ah si, là, il y a un petit coffre. Ah, encore un coffre piégé, visiblement. Ah, il y a du gob. Bah, on peut soigner des gens, parce que sinon, ça risque de mal passer. Là, ils sont nerveux, les petits gobes. Bon, eh ben, trop le choix, visiblement. Bon, on va commencer par lui. Voilà. J'ai le premier coup dans sa bouche. Foiré de gobe. Tiens. Bim. Oula, Adod et Beretor, ils sont en train de mal le vivre. Beretor, c'est l'humain. Ah, dans l'histoire, je sais pas, demande à Alctor. Mais je crois que Beretor, il a été inventé pour le jeu. Enfin, tous les persos ont été inventés, enfin, tous les persos qu'on joue ont été inventés pour le jeu. C'est pas impossible qu'ils en aient fait référence à un moment donné, sachant que ce sont pas des personnages super importants dans l'histoire du Seigneur des Anneaux. Donc voilà. Les trois de toute façon, voilà, c'est ça. Beretor, c'est un humain quelconque. Idrial, c'est une elfe quelconque. Adod, c'est aussi un nain quelconque. Donc bon. Pas franchement. Voilà. Oui, Gondor. C'est pas Dunedain, plutôt, non? Parce que attention, hein, le stuff qu'on trouve. Attention, le stuff qu'on trouve, il prend n'importe quoi, le mec. Hein, il s'en fout, hein, à un moment donné, il peut très bien avoir un bouclier gobelin sur lui. Hein. Il en a rien à péter, hein. Donc attention, faut pas se référer au stuff pour se dire d'où il vient, le mec. Hein. Il en a un peu rien à foutre, hein. Tout ce qu'il va trouver, il va le porter. Hein. Enfin, ce sera plutôt à cause de moi, hein. C'est moi qui l'aurai staff, mais bon. Allez, qu'on en finisse, voilà. Que les gens y level up et qu'on récupère un peu de la vie et du PA. C'est mieux qu'un inconnu. Pardon. Félicitations. Un incapable. Allez, c'est parti! On y va, les gars! Lâchez-vous, c'est le moment. Allez, on y va. Sur la blague à 2 francs. On est parti. Moi, je pourrais aussi vous parler du nain marseillais, le nain culé. Mais bon.
Il paraît que ça va pas le faire sur un live, de parler comme ça. Bien, bon, bah là, les gens, ils ont du PA, c'est bien. On va pouvoir frapper un petit peu plus fort. On va lui faire gagner un peu Tiens, voilà, on va lui faire du coup de la force aussi. On déjà bien, pour un début. Ah, elle a pas trop de PV. Bouclier. Non, on va y aller sur une coupe de nain, encore une fois. N'importe comment, oui, exactement. Voilà. Et allez, Hector, il arrive avec sa bonne grosse connaissance du Seigneur des Anneaux. Mais donc, les Dunedains. Du coup, Beretor, on n'avait pas dit que c'était un Dunedain au début, ou il vient du Gondor, il fait quoi? C'est quoi le monsieur? C'est un Gondorien? Est-ce que ça se dit d'abord, Gondorien? Donc, meneur, tiens, allez hop. Ouais, on va lui faire mal. Ouais, on va lui taper, ouais. On va taper le Warg. Allez, à l'attaque du Warg. Tiens, d'ailleurs, le Beretor, il tape deux fois. Voilà, ça au moins. Hop, une frappe fluide. Supprime. Allez, frappe blessante, youpi. Ouais. Non, mais vraiment, je continue, je persiste à dire que ce jeu a très très bien vieilli, hein. Franchement, il n'y a pas à tortiller. Hein. Le jeu, franchement, Ah, deux runes, enfin. Le jeu a très très bien vieilli. Hein. Il n'y a pas de problème. Je crois que la dernière fois, on avait estimé qu'il avait 10 ans. Pas de souci. Hein. Moi, je connais d'autres jeux qui ont 10 ans et où ils ont pris une claque beaucoup plus importante. Hop. Voilà, allons voir le barda maintenant. Pierre de contre, plus 1 en force. Pierre de contre. Ah, la résistance au feu, ouais, j'avais pas vu. Avant-bras d'éclaireur, bah c'est bien, elle en avait pas. Lui, il a rien, et lui, il a rien aussi. Bon, bah voilà, allez hop. On continue. Là, est-ce que j'y suis allé? Je me rappelle plus. Non, j'y suis pas allé. Bon, coffre. Rouille de la Moria. Pourriture Morgul. Eh ben, bah, dis donc. Ça y va, les items avec des noms stupides. Après la bave d'araignée géante. Pardon, d'arachnée. Fleur vieux Toby. Feuille de l'embas. Youpi, youpi. Alors c'est super original, hein. Chaque fois qu'on va monter un palier, on va de gauche à droite. Désolé, gros bug. C'est-à-dire, bug de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé, Altor? C'est toi qui as un gros bug ou tu penses que c'est le live qui a un gros bug? Je suis dans la Moria. Oui, oui. Sans jeu de mots pourri, oui, je suis dans la Moria. On va un peu redonner de la vie à Adod. Voilà. Et Adod, eh ben, il va taper, hein. C'est étonnant. Il va taper le Warg. Tiens, ça doit vachement aimer la flamme en plus. Ah non, il n'a pas fait assez mal au Warg. Par contre, lui, il tape. Ah si, ça y est, je l'ai quand même enflammé. C'est très bien. Allez, on va taper plus fort. Non. Tout ce que tu as dit, on l'a vu, Altor. Hein, aucun problème. Aucun problème. Bon, non, on s'en fout de la précision. On va taper. On a commencé avec The Warg, on a continué avec The Warg, 546 PV. Putain, maintenant ça frappe, hein. Ouais, allez, coupe de nain, on continue. Voilà. Dis donc,
Le coup de la hache, apparemment, ça valait le coup. Hein. Ah merde, c'était Hydrial qu'il fallait régène. Désolé. Du coup, ah bah tiens, esquive. Voilà, ça fait plaisir. Allez, on va continuer à saccager nos PA. Ouais! Saccage! Voilà, elle va se régénérer. C'est fou quand même parce que. Tu es un incompli. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, c'est marrant quand même parce que la plupart du temps, dans les RPG comme ça, à la japonaise, on va dire, j'avais plutôt tendance à frapper en standard, à régénérer tout le monde à la sortie une fois que c'était fini. Mais là, vraiment. Le système de gagner des points sur le chacun des skills qu'on va utiliser, c'est bien parce que ça incite à faire des combats où on va se faire chier à utiliser un petit peu tout. Casque de la garde. De garde de la citadelle. C'est bien. Oui, je disais, c'est bien parce que ça nous fait faire des combats qui nous forcent à utiliser un petit peu tout. Histoire de tout faire grimper parce que sinon bah, on va être comme des nazes avoir des skills avoir rien du tout en skill en fait. Donc franchement c'est plutôt bien foutu, on s'en fout des comptes épiques. C'est franchement bien réfléchi comme jeu. Allez, hop, on continue. Est-ce qu'on a gagné 1%? Je crois pas, parce qu'on n'a vraiment pas avancé. Voilà. Alors du coup, est-ce que le jeu prend en compte aussi tout ce qu'on peut faire dans le mode maléfique? La musique, c'est extra. encore un compte épique? Non, on s'en fout. Tiens, justement, à ce propos, ça va, la musique, elle est pas trop forte par rapport à ma voix. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous avez pas besoin de trop sauvegarde aux abris. Pourquoi il dit ça, lui? casque de garde. 24 en défense. Et ben voilà, ben c'est bien, je crois que j'ai eu un casque de Conehead. On va le voir sur Beretor. ouais, j'ai eu un casque de Conehead, les mecs. Bon, évidemment, voyez, chacun son tour, les références. Merde, j'ai pas une petite carte là dans un coin. Parce que là, ouais, bah écoutez, on va continuer par là. Je vais continuer du côté où ça ne va pas m'emmener. Ouh. Bien. Bon, j'ai peut-être pas fait le bon choix. On va peut-être essayer de procéder méthodiquement parce que je sais même pas vers où je suis parti. Donc, là, il y a 1, 2 et 3. 3 passages. Bon, bah, on va commencer par celui de gauche. On va commencer par le premier, hein, tant qu'à faire. De toute façon, je pense pas que je sorte d'ici avant d'avoir récupéré les 7 plumes. Donc, ça devrait aller. Un petit coffre. Ah, encore des runes trouvées, donc. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Il va se passer un truc. Ah, encore de la sauvegarde. Pourquoi? Pourquoi déjà de la sauvegarde? Cendre Gorgoroth. Bière des nains. Ah, mais visiblement, je peux plus trop avancer. Là. Bon, on va voir. Alors là, ben justement, Alctor, tu es demandé. On demande de ta grande maîtrise de l'univers et des films. On va peut-être faire en sorte que les gens tapent un peu plus souvent. Et comme ça lui fera lever les
Voilà, ses pouvoirs d'esprit à elle aussi. Hop. On va essayer de faire en sorte aussi qu'il nous rase un peu plus souvent. Voilà, pour pas du balard. Allons-y avec la hache enflammée sur le premier. Waouh! Critique 364. C'était vraiment, il fait pas mal. Hein, le... Ah! Pour une fois, ça marche le. La perte de précision. Ah, pas tout le temps. Hein. Faut quand même pas compter là-dessus. 167 PV, le effet de la hache enflammée. Finalement, c'est bon. C'est très très bon. Quoi intéressant. Il a appris Tenez bon. Ah, c'est bien ça. On continue avec la déesse elfe. On va se jeter sur elle. Quoique, pourquoi je me fais chier à faire ça sur un combat qui va pas durer extrêmement longtemps. Quoique, il pourrait le faire à 2-3 wards, du coup, le coup de la hache enflammée. Voilà, comme ça, j'en ai deux qui sont bien enflammés comme il faut. Alors, qu'est-ce que c'est pour tenir bon ? Immunité groupe contre étourdissement. Ah, ça peut servir quand je trouverai des ennemis qui étourdissent. Tiens, 570 PV. Prochain tour, normalement, je meurs tout seul avec l'effet de burn. Attaque rapprochée à dommage continu. Tiens. Oh, qu'est-ce que ça donne. Frappe blessante. Ah, bah du coup, oui, ça va lui faire un saignement. Bah oui, voilà. Effet de la frappe blessante. Bon, frappe de l'épée. Frappe de gardienne. Tiens, voilà, on va te faire un ouvert-tout. Voilà. Hop hop hop, eh ben on va faire encore une hache enflammée sur le dernier guard. Voilà, 394. Hop, c'est bien, il y en a un qui est mort tout seul. Et deux moi. Allez, on va pouvoir régène Guéritor. Faut prendre la route la moins nauséabonde. Pourquoi tu parles de route qu'est-ce que c'est. Hein 855 PV. Eh, je vais pas tarder à faire du 1000 PV là en critique. Hein. C'est bon ça. Alors là, moi, ce qui me ferait vraiment kiffer, ce serait que Beretor il puisse avoir un cri de meneur. Tiens, et les ghosts. Ah bah tiens, justement. Ah, c'est les ghosts, le Dunedain. Voilà, voilà. Ça y est, on brille. Bien, alors ça... Voilà, veste de Dunedain en din. C'est... Je sais pas si ça a été fait exprès. D'accord, ok. C'est comme ça que Gandalf y trouve son chemin. Et, de toute façon, c'est Gandalf. Hein. Gandalf, tu peux pas tester. Alors, que j'y vacille. Ah, bah c'est là qu'il va nous falloir les ruines. Comment pouvons-nous l'ouvrir? Avec des runes. Il va d'abord nous falloir découvrir les secrets de la Moria. Oui. Donc... Avant que les gobelins ne nous piègent ici. C'est moi ou l'elfe, elle a la voix de... La voix officielle de Lara Croft. Enfin, de l'ancienne Lara Croft. J'ai bien l'impression que c'est ça. Alors, par contre... Le nom de Lara, enfin le nom de la comédienne de doublage de Lara Croft, je l'ai pas. Donc si vous voulez vérifier sur le net, avec plaisir, vous n'avez pas encore trouvé les 7 runes. Voilà, c'est donc ça. Il nous faut les 7 runes et les utiliser ici. Donc c'est bien, ça veut dire que je vais pouvoir me balader dans les autres endroits pour bien vider
tous les coffres partout. Allez, retour des wargs. On va peut-être essayer d'aller un peu plus vite parce que... Putain, elle est blindée en PA, la mer royale. Allez, frappe blessante. Allez, on va faire mal au warg là. Ça a bien 5 minutes. Hop. Voilà, toi tu vas te prendre du burn et du bleed, comme ça au moins. Peut-être crever plus vite. Allez, on va taper plus fort les gars. Taper ! Ouais, taper ! Françoise Cadol pour la nouvelle Lara. Oui, mais c'est justement, c'est pas la nouvelle Lara, c'est l'ancienne Lara. L'ancienne Lara Croft. Comment s'appelait-elle, la doubleuse? Comédienne de doublage, pardon. C'est comme ça qu'on doit dire. Arthur Hale, lui, il va mourir tout seul, donc maintenant, on va se jeter sur le jeu. 422 PV, c'est très bien. Hop. H enflammé sur son couille. Encore une fois. Bim. Voilà. Ça, c'est bien. C'est une très très mauvaise idée de ne pas avoir mis de réels contours sur du rouge comme ça. Parce que suivant. Voilà. Là vraiment c'est le type d'écran où on a beaucoup de mal à arriver à lire combien on leur met dans la tronche parce que. C'est illisible au possible quoi. Bon, lui il va mourir tout seul donc on va commencer à gang-gang l'autre. 558 PV, j'espère que ça va plus mon salaud. Hop, frappe blessante. Voilà mon grand. Voilà, couché. Et on finit avec une hache enflammée. Cette remontée à l'âge dans le vent, quoi. Hop, allez, on en finisse. Pile, voilà, ça c'est fait. Ah, c'est l'ancienne Lara, Françoise Cadol. Ok, d'accord. Et ben donc, à vérifier dans ses doublages si elle a pas fait le tirage, justement. Donc, Beretor et les Ghosts ont pris du niveau, ça, je vais peut-être pouvoir les faire up. On va d'abord vérifier. Ah! Il y a de la paille. Donc c'est bien. On va de suite aller voir donc les stats. Hop, c'est bien. Ça grimpe. Voilà. Et c'est tout. Le stuff. Épée longue d'Arnor. Donc. 22 en dommages. Plus 1 en dex, plus 1 en vite. Je perds en constitution, c'est pas grave, puisque je vais taper vraiment plus fort. Ah, ça c'est bien, ça, taper. Allez, on va taper. Putain, par contre... Il y a des petits bras costauds, le Beretor, hein, parce que... Je sais pas si vous avez vu la taille de l'épée, mais... franchement, dans n'importe quel autre RPG, les mecs, ils auraient porté ça à deux mains, quand même, hein. Parce que là, c'est pas une épée qu'il a, c'est une poutre, hein. Posez ça, monsieur, vous allez vous faire mal. Bon, allez, donc, deuxième passage. Il va certainement nous mener vers une rune. Et vers d'autres coffres, bien sûr. Hop, hop, hop. Ah, c'est pas la voix. D'accord. Ou alors c'est pas répertorié dans son wiki. Puisqu'à mon avis, t'as dû aller vérifier sur Wikipédia. Ah, mais oui, ça c'est le... Ouais, c'est le petit chef de clan là qui fait bien mal comme il faut. Bon, eh ben tiens... Ah, j'aurais peut-être dû lui drainer ses PA, justement. Ça lui aurait peut-être fait... Oui,
Non, dans Dark Souls 2, la clé mort est plus grande et on peut la prendre à deux mains. D'accord. Ben on y va, hein. On augmente la force. Ouais, ici. On va le taper avec un fou et gobelins. Et évidemment, c'est raté, bien sûr, puisque j'ai oublié de monter la précision. Et lui, il risque de me faire mal à l'idéal. Voilà. Ça, c'était à prévoir. Alors, qu'est-ce qui me relève ? Réanime un allié, médecine elfique. Voilà. Oh, super sympa comme jeu, pas à tortiller. Alors lui par contre je vais lui choper un peu ses PA. Ça au moins. Voilà, 100 PA de moins. Tu devrais un peu moins. Oh d'accord. Continue de lancer les flammes du bruit. J'espère que là il va passer le trio des gobelins. Ah bah voilà. Ouh, one shot en plus. Non, c'est pas un drain de vie, c'est un drain de PA là, ce que j'ai utilisé. Drain d'inspiration. Adod, boucle d'honneur. Non, on s'en fout du compte épique. Hop, alors. Bon, les stats, je vois pas pourquoi j'y vais. Alors, boucle de nain. Alors, qu'est-ce qu'il y avait ? 1 en force, 2 en dex, 3 en vitalité, non, vitesse, 1 en constitution, 1 en esprit. Plus 5 en esprit. Et 2 en vitesse. Elle gagne 10 en défense quand même. Hein. Allez hop, feu, on va là-dessus. Allez, on y va. Eau de la bruine. Alors, il y a encore du coffre ici. Ah, tapez. Alors, qu'avons-nous là? Allez, c'est le retour des petits gobelins pénibles qui vont me péter à Don. Et voilà, ça y est. Des shots. On va se calmer les gars là, hein. On va se calmer. Alors, j'espère que ils vont pas me faire saccager des petits trop souvent. Ça va bien 5 minutes, mais en plus, il n'y a plus trop d'attaques. Vétéran gobelin. Alors on va commencer par lui. Allez, Miss. Oui, toutes les tranchées. Ouf. Bon, allez. Oui, exact. Ça risque d'être utile, ouais, d'avoir un truc comme ça, ouais, effectivement. Bon, on va soigner un peu Adobe parce que j'ai l'impression qu'il dit mal un truc. Lame lacérante. Putain, il est mal barré ce combat. Eh ben, on va sortir les ghosts, hein, comme ça au moins on va pouvoir taper un peu autrement. Alors, fléau de créature, on s'en fout, ça servira un peu à rien. Défense esprit, diminuant les dégâts corps à corps. Bah tiens, on va essayer de contrôler. Voilà. Bim, voilà, 510 PV. Et il est bientôt mort, hein. Donc, peut-être moyen d'arriver à se le péter, celui-là. On a déjà pété celui du jeu, mais ça en fera un de moins. Voilà, 609 PV, tiens. J'espère que ça t'a plu, mon chéri. Ensuite, présent d'Elrond, il y avait qui, bah, allez, Drial, tiens, c'est parti.
Putain, mais je suis pas censé vous avoir baissé votre... votre précision, sans déconner. Il rate jamais, hein. J'ai beau sortir des trucs qui baissent la précision en compagnie. Mais... Ah bah je l'ai invoqué celui-là de Missin. Sans déconner, je l'ai vraiment invoqué. Bon, allez, on y va, on va se baisser un peu celui-là aussi parce qu'il va peut-être falloir arriver à le trouver. Putain, la flèche. La flèche de la force. Hop, on continue à régénérer les gens parce que ils vont pas bien sinon. On va se calmer là un jour. Hein. Vraiment falloir se calmer là les gars. Allez hop. On remet ça sur Beretor. Ça serait bien qu'elle ait un heal de ouf. Ça serait bien parce que c'était quand même vachement pratique. Allez hop, toi tu dégages. Alors diminue la défense. Bah tiens, ça pourrait être pratique contre lui. Voilà, 706 PV. Putain, il tape comme un sourd maintenant le humain. Allez, tiens, on va voir s'il passe. Ah ben voilà, très bien, en coup critique en plus. Voilà, ça fait plaisir. Ça a fait du bien. Et les ghosts ressemblent quand même vachement à Aragorn. Ouais, bah, sauf que c'est un rogue, et les ghosts. Ouais, tu me diras, Aragorn, avant qu'il redevienne un roi, c'est plus ou moins un ranger quand même, hein, dans le style. Finalement. Alors, pierre d'armure usée. Ah, médecine elfique. C'est bien ça. Allez, encore du gob. C'est parti. Oui, Aragorn. Oui, enfin, c'est un rôdeur jusqu'à ce qu'il devienne le roi. Enfin, jusqu'à ce qu'il récupère. Il récupère pas une épée un petit peu particulière. Je m'en rappelle plus. Ça fait tellement longtemps que je les ai vus, les Seigneurs des Anneaux. Fléau de créature. Tiens, ça va lui faire ça. Le warg. Voilà. Allez hop. Narsil, voilà. Et donc jusqu'à ce qu'il récupère Narsil, comme on dit. Eh ben, il est. C'est un rôdeur, hein. C'est pas faux. Effectivement. Alors. Ouh, on a peut-être lui, il a un peu des ghosts. Voilà, bon, en même temps, tout ce qui a des cheveux longs et un bouc, finalement, c'est pas loin de ressembler à Aragorn, quand même. Hein. Allez, touchez les wargs. Voilà. J'avoue que ça m'embête un petit peu. Narsil, voilà, Narsil. J'avoue que ça m'embête un peu de galérer comme ça alors que j'ai le mode parfait à côté qui demande qu'à être relâché. Bim ! Je viens de percuter un truc là sur le nom des... Sur le nom des personnages tout en haut. Enfin, le nom des ennemis. J'ai l'impression qu'on m'indique en fait leur niveau. Vous voyez là, ceux-là ils sont en vert. Eh ben, j'ai l'impression que ceux dont le nom se rapproche le plus du rouge, à mon avis, ils devraient être vite tombés le plus vite possible. Parce qu'il y a des chances qu'on me donne une indication en fait sur leur niveau de dangerosité. Voilà, voilà. Allez, hop, touché. Voilà, donc lui, ouais, faudrait que je vérifie. J'ai remarqué ça tout à l'heure quand il y avait des gobelins vétérans au milieu. Faudrait que je voie. Faudrait que je voie ce que ça donne. Allez, Beretor, encore un niveau. Et les ghosts aussi.
Ouais, à mon avis, le Balrog tient un arc pour Elegost, justement. Bouclier. C'est bien, il y a du stuff, on s'en fout du compte épique qu'on a dit. Alors, allons voir déjà s'il y a moyen de faire up les gens. Oui. Hop. Et voilà. Alors, bouclier des seigneurs de nains. Je crois qu'ils sont lourdés sur... Ils se sont lourdés sur la trad, hein. Bon, je crois qu'il n'y a pas photo. Plus en constitution en plus, c'est très très bien. Là, on s'en fout. Alors, arc long. 19 en dommage, plus 3 en force, moins 1 en dex, moins 1 en vite. D'accord, donc le truc, il me force à avoir moins 1 en dex et moins 1 en vitesse. Bon, ok. Pourquoi pas. Et Adod, il a toujours rien de plus, donc c'est bon. Voilà que je regarde un peu ce qu'il y a en pierre là, hein, parce qu'il commence à y avoir un petit stock de pierre. Un candescent qui peut accaparer des objets sans ressurgir sur autrui pour ce temps. Rouge incandescent ? Mais non, je croyais que c'était par rapport à quelque chose d'incandescent, donc quelque chose qui brûle. Sûr de ce que tu racontes là, Hector ? À mon avis, tu es tombé sur un truc là. Allez hop ! On va se tomber les wards. Perceval, d'accord. Ouais, ça y est, ça recommence les... Ah, voilà. Vous voyez là, le nom des wargs, warg des cavernes albinos, là il est en orange. Donc à mon avis, ça veut dire qu'ils sont tous quand même plus ou moins ennuyeux. Donc il va falloir... Ça y est, mon premier coup à 1K. Wouhou. Oh, c'est bon. Bon bah lui il va crever tout seul, donc c'est pas la peine de s'emmerder. Ah bah il le fait deux fois lui, tant qu'à faire. Hop. Si ça se trouve, incandescent, ça veut dire qu'il peut contenir du liquide. Ok, non mais vraiment, le Kaamelott, je l'ai dit à plusieurs reprises, hein, je l'ai pas assez pratiqué pour avoir tout retenu de Kaamelott. J'ai beaucoup aimé, hein, j'ai beaucoup aimé les livres 1 et 2, mais un petit peu moins à part... Allez, deuxième coup à 1K. La condescence, c'est pas tout ce qui est de la côte. Ah bah tiens, il nous manque... comment elle s'appelle ? Là, il manque clairement Alcanoïd, là, pour compléter votre duo. Parce qu'elle en connaît, un bout aussi, la mère Alcanoïd sur... Allez, encore un cas. Il faudrait que j'arrive à finir. Promis, en 2015, je finirai mes phrases. Ouais, je disais, Alcanoïd, elle en connaît aussi un rayon sur... Merde, je me rappelle déjà plus comment ça s'appelle. Ah. Putain, j'ai perdu le nom. Bon, ça me reviendra. J'ai plus le nom. Kaamelott, voilà. Putain, j'ai mis du temps. Bon, allez. Donc, plus haute créature, non, perce force. Perce volonté. Allez, hop. On va faire en sorte qu'il fasse un petit peu moins mal.
et que l'autre il gagne en, en niveau de, ronde, de rondeur. N'importe quoi. En niveau de rôdeur. Voilà, 94 PV, franchement ça fait nettement moins mal. Ah, vous avez vu? Là, lui est en vert et l'autre est en bleu. Donc à mon avis, lui, il doit se tomber vraiment tout seul, quoi. Je vais essayer de le taper fort. On va voir. À mon avis, bleu, ça veut dire qu'il va vraiment tomber tout seul, quoi. Arc de l'épée. Voilà, tiens. Allez, hop, touché. Arc de l'épée. Allez, on y retourne. Hop là. Un coup retourné. Péremptoire, ça veut dire que ça tranche. Péremptoire, le péremptoire, ça m'avait marqué, ouais, je m'en rappelle. Le de façon péremptoire, ça m'avait marqué, ouais. Merde, j'ai attaqué normal. J'ai oublié. Bon, tant pis. Et même en normal, il fait un demi-cas de dégâts, le père et les ghosts. Là, ça commence à devenir une Gatling, le type. Hein. Il envoie de ses missiles. On s'en fout du compte épique. Alors, je veux du stuff. Filez-moi... Bon, des runes aussi, si vous voulez, mais... Filez-moi du stuff. S'il vous plaît. Pierre de contre à l'eau. Ah. Là, ça m'emmène vers une autre pièce. Tu gobes ! Ce n'est que moi. Eh, hey, un peu de monde quand même. Hein. Ah, puis alors lui en plus il va buffer tout le monde. Eh ben. Oh, il est violet lui. Oh. Ouh, c'est peut-être pas bon ça, couleur violet. C'est pas bon du tout. Ou alors ça permet juste de différencier le... Ouais, je sais plus. Enfin, je sais pas. Bon, là du coup il va peut-être falloir que les gens tapent un peu plus souvent. On va mettre ça sur Bellator déjà. Oh merde, j'avais pas vu que les ghosts ils étaient un peu ghosts qui sont vus. Ouais, de toute façon je vais sortir les gars. Ah ben voilà le retour de la contre-attaque. Ça c'est bien ça. Alors on va se donner un petit coup de compagnie de Valar. Voilà, on augmente la précision, on baisse celle des mecs en face. Espérons que ça marche. Ça marche, c'est bien. Non, lui j'ai dit que je le changeais. Allez, à notre le retour. Qui est à 1K de vie. C'est très très bien. Et donc on va aller gang-gang, petit à petit, le gob, en voilà un de moins. Pillage de gobelins. Tiens, pourquoi il me tente ce genre de truc, lui, alors que... C'est bizarre, ça. Il vient de me faire un petit coup à la con, alors que... il a des attaques de flamme doudoum. Bon. Enfer doudoum, tiens. À mon avis, ça doit faire encore plus mal, ça doit choper tout le monde. Ah non, un seul. Bon, ok. Soit mes personnages en l'espace de 5 minutes ils sont devenus des gros billes en puissance. Soit il y a un truc que j'ai raté là. Bah tiens, elle va se régénérer un peu elle-même. Voilà. Allez, puis on va taper, tiens. 814, il se rapproche du 1K lui aussi. C'est bizarre hein, ces petites attaques à des balles. Allez, toi tu m'as l'air un peu dangereux quand même. Ouf. Ouais, lui. Il a bien regagné ses PV. Donc bon bah là, a priori, de toute façon, on y retourne. Oui, mais 814. Ah, bien. Encore un de moins.
Bah on va y aller à la fin. Allez hop, c'est parti. Et je pense qu'avec le pillage des gobelins, à un moment donné, il va me sortir un truc là. C'est pas possible autrement. Ah, rage de citadelle. C'est bien ça, qu'est-ce que c'est? Je verrai pas tout de suite. 712 en coup critique. Très très bien ça. PV. Allez hop, un petit Cléo. S'il passe, et il est passé. Bien! Ouais, je suis content, je suis un nain. Allez, encore du niveau. 13 000 XP, c'est très très bien ça. C'est parfait tout ça. Ah putain, les mecs qui sont à l'extérieur, quand même, ils gagnent nettement moins en XP. Hein. À partir du moment où on les fait pas participer au combat, ils gagnent vraiment pas grand chose. Bon, alors, on va voir déjà les stats. Voilà. On fait grimper ça. Voilà. Tout ça, c'est bon. Le stuf. Dis donc, mais elle a des choses à se mettre, elle. Putain, mais c'est un tank, cette meuf. 165 en def, quoi. Alors que tous les autres, ils rament. Pour avoir vraiment de la défense. Putain, mais même lui, quoi. On dirait que il est stuffé comme un type qui va faire 1000 ans la guerre. Il a que 78 en def. Elle a 165, elle a le double. Plus du double. Un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est un tank, cette meuf. Bon, je verrai plus tard les pierres. On fera le point sur les pierres un peu plus tard. Donc là, forcément, c'était obligé. Ah tiens, Adod, encore une fois. Avec un petit casque. Hop. Adod. Un casque. C'est très bien, ça. Voilà. Allez, une petite sauvegarde. Combien de temps ça fait? Il est déjà 5h30. Eh ben, dis donc. T'en passe vite quand on s'amuse. D'accord, ok. Bon, bah dis donc. Ça va très très vite. Allez, bah, on va essayer au moins de récupérer toutes les runes. Ce serait pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a au milieu? Ah, encore une petite cinématique. Mais qu'avons-nous là? Une hache! Ne le devinez-vous pas au style du manche? C'est la dernière hache à avoir été forgée dans la Moria. Un peu de respect, rôdeur. Pardonnez-moi, mon ami. Je ne pensais pas à mal. Bon. La tombe de Balin. Ah bon? D'accord. Putain, c'est. Je suis toujours impressionné, moi, de des gens qui même dans un jeu arrivent à reconnaître tout leur univers comme ça. Ah non, ok. Tu viens de briser un mythe là, Hector. Très bon. Très, très bon. Ah voilà, vous voyez, lui il est orange, donc ça veut peut-être dire que le vétéran est à tomber en premier, puisque potentiellement il devrait faire plus mal que l'autre. Pour en revenir à ce que je disais. Allez, passe, passe, passe. Yes! Voilà. Encore un de moins. Alors qu'est-ce que j'ai gagné? Rage citadelle. Attaque rapprochée en deux coups. 48 en PA. Putain! Allez!
un cas assuré. C'est très très bon ça. Elle est dans la petite salle où tu vas te battre avec des trolls. Youpi. Des trolls ? Super. Déjà que à un seul troll, c'était chaud. Mais alors avec des trolls, ça va pas être drôle, hein. Oh, j'ai oublié de stuff le père Adod, tiens. Ah, et il y a Idrial aussi qui up. Alors, bon, là, il n'y a que de la pierre. Là, il n'y a que de la pierre. Là, il y a une hache. Oh ! 11 à 31 ! C'est parfait, ça ! Putain, il fait... Ça a l'air petit comme hache, mais apparemment, doit faire mal à des gens, quand même. Hein. Un avec beaucoup de gobelins. Super! Bon, eh ben allons-y. Hein. Bon, là, déjà, faut retourner sur nos pas. Qu'est-ce que... Y a pas un truc, là? Ah non, je croyais qu'on pouvait activer le bouquin. Bon, bah, visiblement, non. Donc là, c'est bon, j'ai fait tout le tour. Encore un petit combat. Putain, je suis tellement dans le jeu que j'ai même pas vu le temps passer, quoi. Bon, les wargs. Bon, on va d'abord se tourner le petit archer god. Arc de lâche. Boum! Allez, il est presque à 1K sur les gobelins, lui. Ouh! Très très bien, ça! Allez, on y va sur une rage citadelle. Et un, et deux. Oh! 1K3, quoi! Ta dieu! Comme un mulet, le type. Allez, touchez le warg. Il fallait bien qu'il y ait un coup qui passe, là. Allez, coupe de nain. Je crois que c'est le Shoryuken. C'est ça. Allez, elle, je lui fais gagner. J'espère qu'elle va gagner un level sur son art de l'épée. Lui, on va le faire un peu économiser les dégâts parce que... Oh ! Allez, on y retourne. Frappe fluide. Passe ! Voilà. Putain, mais... Il rate tout, là, les wargs. Ouais, le Balrog, aujourd'hui, ça risque d'être... un peu short. J'aurais peut-être pas dû commencer par le mode maléfique au début. Peut-être gagner un peu de temps. Mais bon, on comprend pourquoi on progresse. On progresse tranquillou bilou dans ce jeu quand même. Ah, j'ai oublié un coffre là. Fiole fille du feu. Fille. Oula. Tout ça a remonté. Et ben donc la dernière pierre runique, elle est dans le dernier passage, donc c'est bien. Il attaque en wifi. Bravo. Faut dire, il y en a un peu souvent quand même des combats. Ouh, il y a du monde là. Allez. Bon, on va commencer par péter les gobelins. Ouf! 1K5! Oh, il a pas aimé, lui. Il a pas aimé du tout. Alors... Non,
bien qu'elle termine. Ouais, ouais, non mais c'est clair, hein, y a quand même eu beaucoup, beaucoup de combats hein, aujourd'hui. Donc, refrappe fluide de la mer illégale. Voilà, couché. Colibé, non. Allez, on va se refaire une petite rage citadelle parce que c'était vraiment. Allez! Je pense qu'après, une fois que j'aurai ouvert la porte avec les runes, il va peut-être falloir que je remette tout le monde d'aplomb, question vie et PA, parce que, à mon avis, derrière, ça va pas être drôle. Hein. Allez hop! Le dernier warm. De toute façon, j'ai pas le choix, en plus il faut que... Ah d'accord, elle attaque deux fois, pourquoi pas. De toute façon, j'ai pas le choix, il faut que je trouve la dernière rune et que, au minimum, je me présente devant la porte, puisque c'était par là-bas qu'il y avait un point de sauvegarde, hein, il me semble. Donc, j'ai pas le choix, là. Bon, il me reste encore 20 minutes. Les PA se remettent pas à 100% à la fin de chaque combat. Bah écoute, on va vérifier. Hydrial, elle a pas up, donc on va vérifier ça de suite. Mais les PA, ils se remettent pas à fond. Tiens, regarde Hydrial. 81 sur 247. Tu vois, le... Non, non. 801 sur 954. Tu vois, Hector. C'est... à chaque fin de combat, la vie et les PA ne se remettent pas. Par contre, à chaque niveau, regarde Beretor. Chaque niveau pris... ils se remettent à fond. Contrairement à Dragon Quest, où fin de combat, la vie et les MP remontaient pas, et où même en prise de niveau, vie et MP, ça remontait pas non plus. Donc c'était assez chaud bouillant quand même, Dragon Quest. Petite dédicace à Lolo. Quand tu as dit que c'était plutôt cool que Dragon Quest. Oui, c'était plus cool que Dragon Quest sur l'aspect où quand on prend un niveau... tout le monde reprend ses trucs. Bon, là, je crois que question nouvel équipement, j'ai rien raté. Et puis, j'en profiterai d'arriver à un point de sauvegarde pour faire un peu le point sur les pierres, parce qu'il y en a beaucoup et ce serait dommage. Ce serait dommage que les gens portent pas ça bien comme il faut. Ouais, c'est vrai que Dragon Quest, c'est assez chaud bouillant comme jeu quand même. Hein. C'est assez chaud. Bon, bon, bon. Ah! Le décor évolue un petit peu. Alors, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas de coffre là dans les alcoves. Visiblement non. Ah! Il se passe des choses ici. Toutes les runes ont été trouvées. Pourquoi ça... Pourquoi il y a encore des trucs qui clignotent là? Oh oh. De quoi? C'est là. C'est ici la Balrog. Ok, on va sauvegarder, hein. Voilà, il me reste un quart d'heure de... D'accord, donc... ok, le Balrog, c'est là. Bien. J'ai encore gagné 1%, ouais. Bon, ben allons-y, hein. Suce au Balrog, si je puis dire. Ou plus loin du tout. Alors, il n'y a que des petits archers du cul. Bah allons-y, hein, bah on pétons les archers. On va se refaire un peu grimper le
On va reprendre un peu les points de meneur parce que c'est un peu bas tout ça. Puis alors lui, pouvoir de l'esprit, comme ça coûte super cher ces sorts, j'ai beaucoup de mal à les utiliser. Il faudrait que je voie un peu qu'est-ce qu'il y a à gagner avec le nain. Ah, choc débilitant. Ah, on avait parlé de ça, du terme débilitant. Où on avait tous cru que ça partait sur le débilisant. Et en fait, je me rappelle déjà plus. Je me rappelle déjà plus de ce que ça veut dire débilitant. Lolo Maru, Balrog, c'est Claw ou Boxer? Ouais, ah, j'ai. C'est vrai qu'on y pense très souvent quand on parle de Balrog. À Claw ou à Boxer. Bon, ben on va voir, hein, on va avancer et puis on verra bien où ça nous mène. Et puis au pire, j'aimerais pas que ça me mène à la sortie quand même. Parce que ça a l'air de descendre bas là. Hein. Ouais, hein. Donc je vais peut-être remonter d'abord pour aller utiliser les runes. Parce que si ça se trouve, en plus, ça fait partie de mes. Ça fait partie de mes quêtes. Quête ouest de la Moria. Trouver le grand puits de la Moria. Bon, on va voir. Alors, débilitant, c'est ce qui peut contenir du liquide ou qui peut accaparer des objets sans ressurgir sur votre turquie. Oh, allez, ça recommence. Bon, on va voir d'utiliser les runes. Parce que ça m'a l'air trop simple, cette histoire-là. Ça m'a l'air trop simple, là, d'avoir une rune comme ça, là-bas au bout, et... Je suis à peu près sûr qu'en fait, en retournant là, on va avoir quelque chose. Et qu'ensuite, après, il faudra aller dans la zone là où il y a de la lave partout. Vaut mieux être ami avec le petit Robert qu'avec le gros Robert. Ça y est, ça va partir sur les chauffeurs routiers et tout, là, cette histoire. Allez ! Nous l'avons trouvé, enfin ! Alors, qu'est-ce que ça nous fait obtenir, ça ? Qu'est-ce que ça est ? Une armure ! Armure semblable. Elle est à vous, à présent. En mémoire de votre peuple. Oui, en mémoire des miens. Ah, super. Aubernin, Tabarnin. D'accord, donc tout ça, c'est pour gagner une super armure of the Deer pour le nain. Alors, allons voir un peu ce qu'il a gagné, le nain. Aubernin. Plus 1 en force, plus 4 en vitalité. En vitesse, pardon. J'avais jamais vu ça. Ça, c'est bien. J'ai pas fini de le stuff. Il y a aussi un tabard. Plus 1 en dex, plus 4 en vite. Bah, c'est très très bien, ça. Regardez-moi ça. Il est joliment stuff, le nain. Regardez-moi ça comme il est beau. Un vrai nain en robe de chambre. C'est super, on dirait un nain chinois. Hein, dans Destiny... Dynasty Warriors, tous les chinois qu'il y a dans le jeu, ils sont sapés comme ça. Tabarnacle. Oh là 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 là. Vous arrêtez pas, les mecs. Bon, allez, donc, du coup, on va pouvoir descendre sereinement vers la lave.
enfin vers le vers le domaine tout rouge partout. Et peut-être que, attendez, il reste encore 11 minutes de live. C'est peut-être pas impossible que je tombe sur le Balrog, hein. Ouais, bah moi je suis dégoûté parce que j'ai pas reçu mon code pour l'alpha pour Destiny. Mais par contre, normalement, là pour le mois de juillet, il y a la bêta. Et normalement, je dis bien normalement, on devrait pouvoir faire la bêta guidée par Carole Quintaine de Gameblog, je crois, si je dis pas de conneries. Oui, c'est ça, Gameblog. Oui, voilà. Ah non, 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 arrêtez les gars, oh, Destiny, vraiment, c'est, ça a l'air excellent, quoi. Vous rigolez, c'est sur le principe, c'est du Borderlands, quoi. Alors bon, c'est vrai, l'aspect fou furieux de Borderlands en moins, c'est clair. Mais sur le principe, sur le papier, c'est du Borderlands, quoi. Hein. C'est du PVE, hein, c'est du PVE en coop, Destiny. Alors, bon, ben là, on va descendre, puisque de toute façon, j'irai pas plus bas. Merde, du coup, j'ai même pas vu ce que j'ai... Qu'est-ce que j'ai loot ? Parce que j'étais en train de lire ce que vous disiez sur le chat et... j'ai même pas regardé ce que j'ai looté dans le coffre. J'ai loot quoi ? Oh, le mec ! Oula ! Oulala ! Il y a du gros espace, là. Ça pue, un gros espace comme ça, là. Non ? Bon, visiblement tout va bien. Ah, écoutez. Voilà. Qu'est-ce que c'est ? Crétin de Duke. Je t'ai goûté dans la prochaine fois, je te ramène par un simple autre stupidité. Attendez, je vois quelque chose. Que dites-vous de cela, nain ? C'est une clé permettant d'accéder à quelque chose de très important. Oui. Quelque chose conservé dans la salle du trône, peut-être un livre de secrets. Pouvez-vous nous y mener ? L'ambassade. Oula ! Je crois que nous avons trouvé plus que nous ne voulions. C'est un Balrog de Morgoth. Une terreur ici de l'ancien monde. Ne laissons pas la peur nous dominer. Suivons cette créature. C'est notre seule chance de sortir. Ok, donc... C'est inutile. Le chemin est détruit. Nous devons nous replier et trouver un autre passage. Donc voilà. C'est pas aujourd'hui que on se fera le Balrog, visiblement. Oh, mais il y a du monde là. Bon bah tant pis, je vais péter le mode perfect là parce que attaque tranchante de griffe. Je peux pas cibler tout le monde. C'est quoi cette histoire? Ok, bon, alors, alors ça c'est pas cool ça, ça c'est pas cool du tout, bon, eh ben allons-y alors, hop, c'est parti. Peut-être falloir attaquer un jour. Ça, ça risque vraiment de me faire mal cette histoire. Il y a vraiment du peuple, hein. Alors, on va commencer ben, par le numéro 3 qui est là. Voilà, ben c'est bien, en plus je l'ai poutré. Donc c'est parfait. Art de lâche, choc débilitant, qui ralentit le rythme d'attaque de l'ennemi. Voilà, maintenant j'ai la réponse. Ok, donc on va attaquer le 5, à défaut de pouvoir attaquer le 4. Oh, 2K! 2K, tout va bien. Alors, on en était où ?
Elle, elle peut pas attaquer quelqu'un d'autre. Hein, on va attaquer lui. Allez, bah ça y va là, les coups critiques. Allez, on s'en fout. Allez, tous avec moi. Ouais. Youpi. Trancher, sauter. Oh putain. Oh, le trancher sauté qui fait un miss et l'autre derrière il contre-attaque. C'est très très bon ça. Fion des gobelins. Alors sur qui va le faire? On n'a pas le choix, ça va être sur le numéro 6. Et je fais que du one shot. Ah d'accord. Obligé de faire en sorte qu'elle se retourne la miss. Ok. D'accord, elle peut toujours pas attaquer. Voilà. Là, elle peut attaquer. D'accord. Ah, c'est marrant ça, ce système. Ouais, il est vraiment très très bon. Hein. Il est vraiment très très bon. Et puis, il se trouve vraiment pour que dalle, dans n'importe quel... Il y en a foison dans tous les caches de la Terre. Il y en a à foison des trucs comme ça, des jeux, le tirage, il y en a dans tous les caches de la Terre, donc vraiment, faut pas hésiter, il faut, si vous avez une PS2 à la maison, prenez-le, quoi, hein, prenez-le, parce que vraiment, il est excellent, il est vraiment très très bon, je comprends toujours pas pourquoi il a été aussi mal noté à sa sortie. C'est pour moi une énigme complète. Je ne pige pas. Je ne comprends pas. Wouh! Eh ben... Trouver le grand puits de la Moria. Voilà, ça c'est fait. Donc, on va voir un peu les stats. Ouh, il fallait faire une connerie. Là. Donc, voilà pour lui. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, Ambarda, donc. Hache de guerre de nain. 43. Putain, plus 1 en dex, plus 7 en vitesse. Plus 3 en force, plus moins 1 en vitesse. Eh ben, on cherche pas à comprendre, hein. Voilà. Ça, c'est une hache. Non, mais... Parce que l'autre, franchement, ça faisait un... Ah! Il y avait un truc au milieu que j'avais pas vu. 40 en def! Ça y est, il a enfin 100 en défense! Enfin! Il était temps. Bon, allez, donc, on va aller se chercher ce coffre ici. Médecine elfique, bière des nains, un conte épique, bah décidément. Faudra peut-être que je me décide à les lire un jour, ces contes épiques-là, parce que... J'ai un peu l'impression de rater des trucs, quand même. Donc, il va y avoir encore du fight, histoire de changer un peu les choses. Ah, petit passage qui va bien, là, ici, visiblement. Et qui va m'amener, dans un endroit intéressant. Donc, on va se regarder ça. 17h58, je vais peut-être après remonter, sauvegarder. Parce que... Eh ben, il était planqué, ce coffre. Jambière de nain. Eh ben, il est totalement stuff, hein, le nabo. Ah! Qu'est-ce que c'est, ça? C'est quoi? C'est un passage secret? Ou y a rien du tout? Y a rien du tout? Super. Génial. Bon, alors, on va finir de stuff à Dodd. C'est parfait, il n'avait pas de jambière. 145 en def. Bon ben voilà, ça commence à devenir des vrais persos. C'est bien. Bon ben voilà. Je vais pouvoir courir maintenant vers le point de sauvegarde.
on me l'indique pas par hasard le point de sauvegarde là, non? J'ai pas l'impression, hein. Donc, on va revenir au début de cette pièce, de cette salle. Et merde, combat. Bon, ça va, là, ça devrait aller assez vite. On va vite taper en sorte de... histoire de bien faire mal comme il faut. Taper, taper. Hop. Flo des gobes. Voilà, toi tu vas mourir. Ok. Et donc on finit. Je pense qu'une frappe gardienne devrait suffire. Non, ça suffit pas. Donc je me prends une petite attaque. Voilà, voilà. Elle, ça serait bien qu'elle prenne un niveau quand même là sur son arc de l'épée. Parce que franchement, depuis le temps que j'utilise et que j'ai... qu'elle a rien appris du tout, ça commence à faire un peu beaucoup. Voilà, voilà. Hop, c'est bon. Allez. Allez, allez. Oh non, je vais encore me prendre un autre combat. Ils sont lourds avec leur combat quand même. Il y en a beaucoup. Hein. Tiens, ben voilà. Tiens, tu vas prendre ça. Et il meurt pas. Voilà, bah toi, tu vas crever comme ça. Voilà. Et lui, il va te poutrer comme ça. Voilà. Ça, c'est un combat vite fait, bien fait, madame. Il a le bouclier devant lui, il se prend la flèche dans le front. Ah, il y a des fois, faut pas trop chercher les détails. Hein. C'est sûr. Alors, allez, encore un petit combat. Ça nous avait manqué. Bon. On va se péter lui. Allez, il a le temps de nous attaquer. Voilà, critique, merci. Hop. Un petit fléau là-dessus. Voilà, coucher les nains. Un 2K. Ça y est, ça commence maintenant. Je commence à faire du 2K. Hop, petite frappe fluide ici. J'espère qu'on va prendre un truc. Toujours pas. Décidément. Il va peut-être falloir que je ressorte l'archer à un moment donné. Bon, parce que. Je prends pas beaucoup en XP. Hop. Bon, mais je crois qu'on va avoir encore un dernier combat avant le point de sauvegarde, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Allez, Pim, c'est parti. Ah, ben voilà. Présent de Galadriel. Allez, Rage Citadel sur le deuxième Warg. Il n'est pas mort. C'est marrant, mais j'ai beau avoir beaucoup plus de stuff que tout à l'heure sur le nain, j'ai l'impression que il prenait déjà 130 PV tout à l'heure. Alors bon, je sais pas si c'est parce que c'est une impression ou quoi, mais bon, j'ai un peu l'impression quand même que le stuff qui change rien, quoi. Bon, je vais me faire un miss, super, ça fait toujours plaisir. Ah, un petit miss. Allez. Tiens, plus long le combat, quoi. Plus long. Ah, bah, la petite contre-attaque qui va bien pour toucher un ward. Voilà. Allez, on retente le fléau des gobes. Voilà. Cette fois, il passe. Ça, c'est... Alors, présente Galadriel, restaure plus de points de vie à un allié.
toujours ça de pris. $790 PV, ça va, ça le fait. Allez, on en finit avec ce dernier gob. 1K en coup critique, c'est parfait. Là, je devrais enfin arriver au point de sauvegarde, c'est pas trop tôt. Ah ben, ils se sont gavés, question XP là, c'est bien. Oula, où il va le nain? Oh non, encore un combat. Oh, ils sont paisibles. Allez, tiens, tiens, voilà, c'est bien. Les deux des archers, donc on va y aller comme ça. Allez, qu'on en finisse pour aujourd'hui et que je vous fasse voter si on continue ou pas. Hop, 2K. Oui, je peux fuir les combats, mais bon. C'est dommage quand même parce que vraiment là j'ai mes personnages voilà, c'est ça, c'est là je pex. C'est un combat, bon bah tant pis, mais je pex. Donc bon, je perds un peu de temps mais c'est pas grave. Voilà, ça y est, on y est. Alors viteuf, on jette un œil à la feuille de stats. Voilà, voilà. Alors, lui, niveau 16, niveau 19, 19, 20. Ah ouais, il est un peu à la bourre, et les ghosts, quand même. Hein. Donc, il va peut-être falloir que je le fasse venir un peu plus souvent dans les combats. Un dernier petit coup d'œil sur le barda. Et la semaine prochaine, il faudra que je pense... Enfin, si vous voulez qu'on continue là-dessus. Il faudra que je pense à réorganiser un petit peu les pierres. Parce que c'est un peu le beans, quand même, hein. Bien, alors, voilà, donc, il est 16h, pardon, il est 18h06, on est un tout petit peu à la bourre, mais c'est pas grave. Donc, vous avez maintenant 2 minutes, comme d'habitude, vous avez 2 minutes pour vous diriger tout de suite vers le site qui est au-dessus, là, rufoenco.wordpress.com. Vous allez tout de suite, pas besoin que je vous donne le lien, l'article est apparu tout seul, normalement, sur le blog. Allez tout de suite voter pour savoir si on se continue ça ou pas pour la semaine prochaine. Vous avez 2 minutes à partir de maintenant. Top chrono! We'll be right back.
Bon, alors, non, pas du tout. Ce n'est pas la musique d'un Mario Kart. C'était Space Harrier, encore une fois, puisque vous savez que c'est un peu la musique de...